principe numéro 13. Félicitez-vous. Vous avez atteint le sommet lorsque vous regardez en arrière avec clémence, en avant avec espoir, vers le bas avec compassion et vers le haut avec gratitude. Zig Ziglar. Avant d'en avoir, soyez vous-même votre premier fan. Apprenez de vos difficultés, apprenez de vos erreurs et surtout libérez et reconnaissez votre génie. En l'exprimant, vous donnez l'opportunité à vos fans de le reconnaître. Comme dans le 10e principe, soyez persévérant. Une partie de votre entourage se positionnera comme des freins à votre projet. N'attendez pas les félicitations ou la validation. Ayez confiance en vous-même. Félicitez-vous pour chacun de vos succès. Félicitez votre équipe lors de chaque petite victoire ou de chaque résolution de petits problèmes. Célébrez ces moments. Accordez-vous des périodes pour vous changer les idées. Ainsi, vous maintiendrez la motivation jusqu'à la fin de votre projet. Des exemples ? Faites-vous des sessions d'écoute. Reconnaissez vos points forts, reconnaissez vos points faibles. Prenez du temps pour vous, 2 jours sans penser à votre projet par exemple. Passez à l'action. Ces principes n'ont de valeur que s'ils sont mis en pratique. Notez que seulement 1% des personnes qui liront ce guide poseront une action en direction de leur rêve. Je souhaite sincèrement que vous fassiez partie de cela. Les étapes. 1. Prenez donc une feuille blanche. 2. Posez-vous durant 30 minutes. 3. Répondez tout simplement aux interrogations que suscite ce PDF. 4. Posez les fondations de votre projet. 5. Commencez à créer l'organigramme de votre staff. 6. Rédigez le portrait de votre fan cible. 7. Rappelez-vous toujours pourquoi vous faites ce que vous faites et l'effort deviendra un plaisir.